Laure et moi, il y a une question qui vous a été posée. Personne ne pouvait répondre. Est-ce que vous pouvez répondre aujourd'hui? C'est à propos des heures de la toilette quand on est à la résidence des personnes âgées. De quel âge tu vas? Qui s'occupe de ça? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben, est-ce que chaque conseiller d'or qui a la clé de ça? Ouais, alors, les gens de l'âge d'or doivent avoir une clé aussi. Ouais. Je parle des citoyens qui se promènent, qui prennent une marche ou qui se promènent en bicycle électrique, qui vont aller aux toilettes, ils font quoi? Ils changent les rangs? Ben, écoute, dans un jour, ça peut pas, je comprendrai, Jean, que ça peut pas être laissé ouvert. C'est au pouvoir public ou pas? Non, c'est public. C'est pour quand il y a des événements, quand les gens du club de l'âge d'or vont jouer à leurs activités sur le coin. Je pense qu'il y a des bars quand il y a du soccer, quand il y a quelque chose, quand en pleine nuit, là. Non, tu vas rentrer la tête au début. J'ai parlé de jour, moi, là. Pas de la nuit. S'il n'y a pas de surveillance. Mais la piste cyclable, il va avoir un surveillant, là. Non, bien, la même chose, là. Elle coûte plus cher, elle a coûté 90 000. Oui. C'est M. Hubert. Mais là, je sais pas, il ne peut pas avoir des portes qui se vont automatiques à telle heure. Peut-être des door locks électriques. Ben oui, il n'y a pas qui marche pas, là. Et aller pisser, d'aller les boîtes pas mal, là, c'est pas trop plaisant. Ça serait quoi? On pourrait-tu faire un projet pilote, peut-être le faire pendant un mois? Ben, pas un mois, regarde. Vous avez un beau parc école, hein? Vous êtes à la porte de la c'est pas le cyclable, ils vont faire avec ça. Mais oui, va être débarré. Vous êtes en partenariat avec l'école de jour, ça? D'été. Vous avez le parc. Les gens, les femmes vont avec leurs enfants, oui, ils vont jouer dans le parc avec les petits-enfants. Ils veulent aller à la toilette. Mais les loisirs sont ouverts. Oui, mais c'est à l'autre bout. Là, la femme, elle a trois jeunes à watcher. Tu sais, ça a coûté 90 000 $ On est capable de scraper un garage à 200 000, capable d'en bâtir un autre à 72 000. Quand même, ça coûterait 20 $ à faire nettoyer de fois de temps en temps. Au pire, mettez une caméra si vous allez ça, cibler. Ça fait nettoyer, ça fait Bon, c'est de la fête oubliée. Sauf que c'est un petit peu. Salut, qu'on dit au rôle d'école avec mes petits-enfants. Puis nous, il avait envie d'aller aux toilettes. On est à deux adultes, on aurait pu y aller, là. Mais il a oublié de faire pisser dans le coin, là, contre la piste. Comme la piste cyclable, on va laisser ouvert. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Non, c'est sûr que si on la laisse ouvert à plein temps. Ce sera plein temps, pas d'ennui, on va pas plein temps. Non, mais mettons à 10 heures le soir, ça va automatique. S'il y a du monde, elle va être débarrée plus tard, il y a quelqu'un qui a débarré. Mais ça se fait un timer, là. C'est juste une petite gâchette électrique qui va ouvrir la boîte. Comment ça vaut, on s'en fout. Vous venez de sacrer 100 000 $ à terre. Ça n'a pas d'importance. Comment vous taponnez pour des affaires de 500 $ Un door lock, ça va coûter peut-être 200-300 $ cette salée. Un timer, maximum. Un timer peut faire les deux bords. Un door-lock avec un timer, ça vient. Parce qu'on voit des toilettes, vous pouvez laisser bourrer. Vous en a parlé le mois passé. Le 72 000, vous êtes en train de mettre sa piste là, arrêtez ça de suite. Renterrez tout ça là, puis mettez la rigueur. C'est pour être bourré, là. Le gars qui va passer là, il va aller où aux toilettes? Je pense que vous avez une intéressante. Tu sais, dans le fond. Vous savez qu'il y a du vandalisme. Oui, mais il y en a partout, Mme Fortin. On n'est pas mieux qu'ailleurs. Mais entre vous et moi, là, si on paye toutes les taxes à l'auteur qu'on paye, OK? Je m'en fous, moi, qu'à peinture. Si elle casse la toilette, je ne sais pas, elle n'a même pas pu être à voir. J'ai jamais été dedans parce que quand je passais à tabarrer, c'est une toilette en stainless anti-violation qu'il y a dedans. Au prix, ça doit coûter, il devait être solide. À la limite, là, attendez de voir s'il s'en fait casser. Mais ouvrez les portes, il y a une demande des gens. Vous entendez, on va regarder les différentes options. On va avoir la réponse le mois prochain? Je ne dis pas le mois prochain, je ne m'engage pas là-dessus, mais on va en discuter, c'est certain. Madame Pelletier, quand vous appelez les pompiers et vous dites que le feu est pris, là, vous n'attendez pas un mois pour les avoir. Vous avez le feu pour pris. Non, ça fait un mois. On a demandé le mois passé, mais l'autre est à quoi, là, monsieur? OK? On l'a demandé. On vous a suggéré la même affaire, on est rendu un mois plus tard, on n'a même pas une ébauche. Là, donnez un autre mois d'espoir. On peut-tu vous attendre à avoir des efficacités? L'hiver prochain, là, les petits madames n'iront pas avec le carrosse. Ça va aller à l'année prochaine. On peut-tu juste essayer d'avancer de quoi qui est facile d'avancer? C'est bon. Je veux ça. D'autres questions?